Quand on prend le cas d'Éric Zemmour, il ne fait pas de doute qu'il y a d'un côté ce qu'il est sociologiquement, ses origines, l'histoire de sa famille, l'histoire de son arrivée en France, etc. Et l'autre côté, il y a la période actuelle. Donc il y a le passé, l'histoire, et puis la période actuelle. Et comme la période actuelle est une période de droite, puisque la socialité est plutôt de droite et l'équinoxialité plutôt de gauche, la socialité est consciente des énergies nécessaires pour que les choses se fassent, et l'équinoxialité, elle prend le train en marche en quelque sorte. Donc, en phase de solstitiale, il faut effectivement rappeler un certain nombre de fondamentaux, rappeler un certain nombre de différences, marquer les différences jusqu'à un certain point, quel que soit son propre itinéraire personnel. Et en phase équinoxiale, et nous n'en sommes pas là, il faut au contraire essayer de nier les différences, de les relativiser, de passer outre, chercher même à les abolir, en tout cas à les nier. Donc c'est une autre stratégie. Et comme dirait Machiavel, puisque cette semaine est consacrée à Machiavel, Machiavel nous demande au prince de tenir compte de l'état des choses sur le plan cyclique, sur le plan astrologique. Et par conséquent, le prince ne doit pas gouverner son peuple et sa cité de la même manière en période solstitiale et équinoxiale. Ça va de soi. C'est pour ça qu'Éric Zemmour, eh bien finalement, il est contraint, même s'il a une psychologie plutôt gauchiste, quand il dit il faut s'assimiler, il faut adopter les valeurs en vigueur par-delà toutes les questions d'origine. Il est quand même obligé aujourd'hui de droitiser son propos et de parler de la souveraineté, de parler de questions juridiques, de questions linguistiques, de questions culturelles, qui sont des questions qui ne conviennent pas spécialement à la gauche, ou plus exactement pour la gauche. Ce sont des moyens d'assimilation. C'est pas, la gauche, elle n'essentialise pas les cultures, les races, les sexes. Il faut justement le droit pour pouvoir niveler tout cela. La gauche, elle est nivelante.